Et bonjour à tous, on se retrouve au bar de chez Jimmy. Ah, on se retrouve avec lui. Moi je l'aime bien lui là. Monsieur la pièce. Le négociateur. Ah, no Android allowed. Bah let's go. Il a un peu une tête de nazi quand même lui. On peut scanner des trucs. Merde, je croyais que les androïdes n'étaient pas autorisés. Eh mec, t'es le lieutenant ? Ah mince, y a une mise à jour. Oh, est-ce que c'est important ? Pas de problème. Non, mais je veux voir ta gueule. Il est où ce putain de lieutenant ? C'est pas lui, c'est pas un japonais. C'est lui. Ouais, c'est lui. Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar. Qu'est-ce que tu veux ? Ah mais c'est l'autre. Une affaire en début de soirée. Un homicide. C'est le drogué, non ? Impliquant un androïde de CyberLife. Non, c'est pas lui. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Non, c'est un autre. Surtout pas un connard en plastique comme toi. Alors sois gentil, petit robot. Barre-toi en vitesse. Je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïde. Mais je suis parfaitement à l'aise. Et maintenant dégage avant que je te transforme en ferraille. Je me dois d'insister. Je regrette, lieutenant, mais je suis obligé d'insister. Mes instructions précisent que je dois vous accompagner. Les instructions, tu sais où tu peux te les mettre. J'ai pas non. Trop de balles. Où ça? Rect. Laisse tomber. Vous savez quoi? Je vous en offre un pour la route. Qu'en dites-vous? Barman, la même chose, s'il vous plaît. T'as vu ça, Jim? Les merveilles de la technologie. Sers-moi un double. Et ça a marché, ça. Et oui, un homicide d'androïde en plus. Ah non, mais c'est ailleurs là. Le bon lieutenant. Bon, t'attends ici. Je serai pas là. Comme vous voudrez, lieutenant. C'est ça. Comme je veux. Ordre contradictoire. Sélectionner la priorité. Mais il m'a dit d'attendre. Douglas, pour Channel 16. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide ? Je confirme que dalle. On attend du coup. Bon, on s'en bat les couilles. Mais oh, me pousse pas, toi. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi. Ok, il m'a rien dit, alors. Quand je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas? Ah bah si. Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant.
Tu parles pas, tu touches à rien, et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Salut, Hank. On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça, on a un androïde, hein? Ah, très drôle. Dis-moi ce qui s'est passé ici. Mon voyou nous a appelé vers 20h, son locataire ne payait plus son loyer depuis quelques mois, alors il est allé chez lui pour voir ce qui se passait. Regarde juste, il y a des choses. C'est là qu'il a découvert le corps. Oh, bon sang, mais ça tue! Mais c'était encore Wait. Pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Bon, la victime s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment, il a un casier pour vol et voie de fait grave. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. Ah, mais c'est le papa de l'autre, là. C'est la même chose, non? Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ah non, ouais, elle se droguait, là. C'est-à-dire que l'autre vendait. Déranger tout le monde au milieu. La nuit, ça aurait pu attendre demain matin. À vue de nez, ça doit bien faire 3 semaines qu'il est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine par ici. Probablement l'arme du crime. Y a des signes d'effraction? Non. D'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son androïde? Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. Faut que j'aille prendre l'aide. Bah, écoutez le briefing. Ah oui, ça s'est fait tout seul. Ouais, elles sont où les pièces? C'est un peu mal foutu des fois sur la caméra, ça c'est terrible. Alors... Hey, Eden Club. Il y avait écrit « I'm alive », donc ça veut dire que c'est l'androïde qu'on croyait mort qui est toujours vivant en fait. Elle est devant là, mais... Un coup tu me la montes, un coup tu me la montres pas. Ah, il aimait le cul, hein. Le sexe avec les androïdes, c'est mieux. Apparemment. Ce sont des... Préfère avec un androïde qu'après... Plutôt avec une femme. Tu m'étonnes. Bon, on a lu suffisamment. Chaque lettre est impeccable. C'est bien trop propre. Aucun humain n'écrit comme ça. Chris, ça a été écrit avec le sang de la victime? J'imagine. On prend des échantillons pour analyse. Alors... On a des empreintes. C'est Ortiz qui a essayé de se défendre. Trace de tritium, donc c'est un... C'est le fameux déviant. Ah, il a été attaqué. Du coup, il a pris le couteau pour se défendre. Ok. Dice. Notre ami Carlos aimait faire la bringue, on dirait. Chris, tu me fais une analyse complète des narcotiques. Ce
C'est comme si... Et c'était fait, lieutenant. Ouais, ça a l'air d'être bien écrit. Hey Mike, t'as fini de prendre les échantillons? Ouais, c'est fait. Bon appétit, bien sûr. C'est des coups de couteau, ça. Ah wait, hémorragie interne, 20... ah oui 28, je croyais que c'était il y a 28 jours et qu'il a... Il a mis du temps avant de mourir. Ok, il a pris de la drogue. Victime a été poignardée. Il venait de la cuisine. Hop. Et il l'a démonté. Classico! Il a été poignardé 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Non, pas vraiment. Ah, il me reste... C'est laquelle que j'ai pas vue encore. Là-bas. Reste une preuve quelque part. Là. L'infraction. Ah, elle était là en fait tout à l'heure quand j'essayais de regarder. Sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins, qui chose du 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non. Ce type de sol conserverait une trace. Personne n'est passé par là depuis longtemps. Le déviant ne s'est pas enfui par là. What the fuck? On débloque plein de trucs, c'est au moins ça. Ok, 10 sur 10. Allons parler au frérot là. Anderson! Il est là. Lieutenant, je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais? Raconte, je suis tout oui. Tout a commencé. Dans la cuisine. Dans la cuisine. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Avec la batte. Avec la batte. Ça collerait avec nos preuves. Continue.
L'androïde a lancé... Non. L'androïde a poignardé la victime. Ah non. Donc, ah si, l'androïde oui. L'androïde essayait de se défendre, c'est ça. Ok, il s'est passé quoi après? La victime s'est enfuie dans... Le salon. Le salon. Dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime. Avec le couteau. Avec le couteau. Ça se faisait une nouvelle vidéo qui est sortie, le coup de fouet. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Ça correspondait bien. Ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du thyrium. Perdu du quoi? Du thyrium. Vous le surnommez sang-bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Oh. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein? Exact. Ouais. Uh-huh. L'échelle a été utilisée. Il se fait peur tout seul. Oh oh! Trouve une échelle, une connerie comme ça. Une chaise. Let's go, prenons une chaise. Tu fais quoi avec cette chaise? Je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose. Il va y avoir le déviant là. C'est un jeu d'horreur en fait. Loul. Ça va me faire peur. C'est un putain de jeu d'horreur. Ah bah il s'enfuit par là. Si on n'a pas le choix, on est obligé d'avancer. Oh putain! Il a bougé! On l'a vu! Ah! Il va m'attaquer cet enculé. Pardon, ce déviant. Déviant, je ne vais pas te tuer. Il est caché là. On le voit là. Ah! Je prédis mes cris de peur. Ah bah c'est bon, c'est lui. Ah bah non, en fait il est pas méchant. Je voulais simplement me défendre.
Il allait finir par me tuer. Je t'en supplie. Moi, je suis pour ne rien dire. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Il est ici, lieutenant. Mais j'ai pas eu le choix. Merde. Chris, Ben, ramenez-vous en vitesse. Putain, c'est un enculé, lui. Allez. Mais pourquoi il balance tout? On va mettre à jour ultérieurement. Attendez, on le fera après. Déviant trouvé. De toute façon, on n'avait pas le choix d'autre chose. Ça aurait pu mal finir, apparemment. Oh, on a débloqué plein de trucs. Mais c'est trop swag. Easy. Oh, je ferai la mise à jour hein, pour le prochain épisode. Mais putain! Bon, est-ce qu'on fait la mise à jour maintenant? Alors, la suite! On est de retour avec Alice au pays de sa glisse. Avec Kara. Todd? Pourquoi tu l'as fait peur comme ça? Le dîner est prêt. Ouais, j'arrive. Prends sa putain de drogue de mort, lui. Porter le repas. Faut vraiment qu'on... Ça a pas l'air super beau, hein. C'est pas une androïde spécialisée cuisinée. Il n'y avait plus grand chose dans le frigo. Bon bah... Oh putain, un androïde qui ferait le... Qui ferait à manger et la... Et la lessive et le ménage pour moi. Les servir. C'est drôle la vie. Je perds mon boulot à cause des androïdes. Et quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque, qu'est-ce que je fais? Je dois m'acheter un putain d'androïde. La bonne blague. Putain, mais bute-le! Bien sûr, c'est tellement chouette, les androïdes. Arrête de remuer, nom de Dieu! Tu me tapes sur les nerfs! Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ton problème, putain? C'est pas la vie dont t'as rêvé, hein? Bute-le, bute-le. Tu crois peut-être que c'est facile? Là, je pense qu'on va arriver à... où elle va devoir buter pour défendre la petite. C'est ma faute si on vit dans un trou pourri! Que c'est de ma faute si ta conne de mère a foutu le camp! Tu dois arrêter la drogue, Todd. Des fois, tu me fais vraiment peur, Todd. Cette salope s'est barrée sans dire un mot. Et elle a eu bien c'est raison! Elle m'a largué pour un putain de gros. Par contre, elle aurait dû prendre la petite avec. Tout est ta faute! Papa, non! Tout est ta faute, putain! Mais l'androïde là, réagit! Réagit! Reviens ici. Oh, Kara, qu'est-ce que tu branles? Bute-le! Bute-le! Tu restes ici. Que dalle! Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. Apparemment, je dois ne pas bouger. Par ici. Je suis en train de casser la réalité. Je sais pas comment. Ah, je me libère de mes instructions. Ok. J'aurais pu avoir une famille, mais non!
Le flingue. On va le buter. Ouais. Alors, on aurait pu ne pas la tuer. Ça suffit! Laissez-la tranquille! Putain, qu'est-ce que tu fais là? Tu poses ce flingue et tu te barres en vitesse. J'ai un ordre! Non, je veux que vous la laissiez tranquille. Tu veux? Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire? Tire! T'as l'air d'avoir un problème. Oh merde. Il va falloir y remédier. Esquive! Oh putain, j'ai raté cette esquive. Fuck. Esquive! Attention, Kara! Oh! Esquive! Viens ici, connasse. Blocage! Coup de genou! Putain, c'est chaud en vrai à faire. Elle a un R1, elle a un R1. Ah, fallait que j'appuie plein de fois. Carré. Ah merde! Non, je veux pas qu'elle crève. Non, L2R2. J'ai raté. Ah. Oh, DM. Crève pas, biatch. J'y vais à toi et tu fais ce que je te dis. Qui est morte? Oh, goal! Oh, la butée! Ah, je suis content. Ouais, c'est compliqué le tour. Et oui, le coup de fouet, il se l'est pris dans les couilles. Hop, on a pris le bus. Forcément, l'autre il va venir enquêter sur nous. On a protégé la petite, on a fait ce qu'il fallait. C'est bien parce que là, des vraies questions vont commencer à se poser sur... quelle est la limite de ce que peuvent faire les androïdes, tu vois ce que je veux dire? Oh damn! Kara a battu Todd. Alors, il y avait 36 000 façons... En fait, je pense que globalement, sur tous les chemins... On a oublié des petites variantes... Todd s'énerve. Briser la programmation. On peut ne pas la briser. Et dans ce cas-là, on reste un putain d'androïde de mort. Là, on a réussi à prendre l'arme. Mais on aurait pu essayer de raisonner Todd. Hein. Je pense que c'est toute la partie basse. Kara a battu Todd. Ah ouais, il y a plein de... C'est vraiment bien ce jeu parce qu'on peut... Je pense que quoi qu'il arrive, on peut le recommencer. Ça fera toujours une histoire très différente. Le seul truc qui est embêtant si tu recommences, c'est que t'as plein de phases qui sont lentes et qui sont les mêmes. Lui, je pense qu'il va falloir protéger le vieux contre son fils, il va falloir le buter aussi. Mais qu'est-ce que je fais là, bon sang? Je déteste les cocktails et tous ces clopes. Un bon mojito, c'est bon, mec. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla, personne n'en a rien à fiche de l'art. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer. Allez, prenons un verre. La folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge. Mais d'abord... Je
dans quel sens on est. Un scotch sans glace, comme d'habitude? Absolument. Bien sûr. Très bien, mais vous savez ce qu'on dit le médecin. On ne met jamais de glaçons dans le whisky, mesdames et messieurs. Je suis assez grand pour choisir mon propre. On ne dilue pas un bon whisky, un bon scotch. Si c'est du Jack Daniels, par contre, oui, on le dilue avec du coca, parce que c'est dégueulasse. Tu avais laissé l'atelier allumé? Non. Non, non, je suis sûr que non. Appelle la police. Police de Détroit, quelle est votre urgence? Ici l'androïde de Carl Manfred au 8941 avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Il y a peut-être eu un cambriolage. On vous envoie un véhicule. Allons jeter un coup d'œil. C'est son fils, on va devoir le buter. Marcus, non, je viens avec toi. Bon, je sais pas, moi j'avais envie d'y aller tout seul. Hein. Léo! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu refuses de m'aider, alors je me sers tout seul. C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Ne touche pas à ça. Écoute, je finirai par les avoir tôt ou tard, de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais-le sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici. Écoutez, j'ai déjà appelé la police. Je vous conseille de partir maintenant si vous ne voulez pas avoir d'ennuis. Tout ce que tu sais faire, c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je suis pas assez bien pour toi? Je suis pas parfait, comme cette saloperie? Ça suffit, tu t'en vas maintenant. Allez, et maintenant. Qu'est-ce qu'il a de plus spécial, hein? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Laisse-le tranquille. Allez, montre ce que t'as dans le ventre. Marcus. Ah, on a encore fait un compas. Tu m'entends? Surtout, ne fais rien. Vas-y, cogne-moi, qu'est-ce que t'attends? Tu te prends pour un homme? Sois un homme. Arrête. Qu'est-ce qui va pas? Tu fais ta trouillarde? Arrête! Léo! T'as trop peur pour te battre? Espèce de fiat! Je dois décider par moi-même. Nice! On va lui casser la gueule! J'oubliais, t'es pas une vraie personne, t'es qu'un putain de morceau de plastique. Non, Léo, laisse-le tranquille. Je vais te détruire et je serai enfin seul avec mon père. Oh oh. Léo. Coup dur. Oh mon Dieu. Léo. Mon garçon. Carl, je... C'était peut-être pas le bon choix. Ils vont te détruire, Marcus. Il faut que tu t'en ailles. Pars, vite! Partir? Mais je n'ai nulle part où aller, Carl, je n'ai que vous. Sors d'ici! Il faut s'en aller là. Allez! Oh merde, trop tard! Marcus! Putain, bouge pas! Oh merde! Ah bah comme d'hab, hein, c'est le noir qui meurt en premier. J'aurais pu m'en enfuir en fait. Ah non, quoi qu'il arrive, on n'aurait pas le temps. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres trucs. Même si on s'enfuyait. C'est juste si on poussait pas Léo, ça faisait un autre truc. Pourquoi tu l'as buté? Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau? Combien de temps t'es resté dans le grenier? Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir? Dis quelque chose, bordel de merde!
je me tire. Ouais, on va pouvoir l'interviewer. On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table. On peut toujours essayer de le tabasser. Ben c'est vrai quoi. Il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pourrais essayer de l'interroger. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Let's go! Le suspect est à toi. Analyse les petits indices. Ça me fait penser à... Tiens, comment il s'appelait ce film qui a été remasterisé? Ah, oh, je me souviens plus. Qu'est-ce que c'était là? Ok, plus ils deviennent rouges, plus il y a de chances qu'ils s'autodétruisent, je crois que c'est ça. Ah, sur 16 mois, il s'est fait brûler. Batte de baseball. Tu es endommagé. C'est ton maître qui t'a fait ça? Il t'a battu? Je détecte une instabilité dans ton programme. Elle peut causer une émotion désagréable, comme la peur chez les humains. Il faut que j'augmente son stress, hein, je crois. Tu es accusé de meurtre. Tu sais que tu n'as pas le droit de mettre une vie humaine en danger, quelle que soit la situation. As-tu quoi que ce soit à dire pour ta défense? Ouais, faut qu'il monte. Si tu refuses de parler, je vais devoir sonder ta mémoire. Non! S'il te plaît, ne fais pas ça! Ça y est, on est en taux optimal! Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Ils vont me détruire, hein, pas vrai? On va te désassembler pour chercher les problèmes dans tes biocomposants. Il n'y a pas le choix si nous voulons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas? J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. C'est encore un noir qui va mourir. Je ne peux pas. Choisir l'approche. Par la droite ou par la gauche? Convaincre. Tu es une machine, tu as été conçu pour obéir, alors obéis! Ok, le stress est un peu trop. Dis-moi ce qui s'est passé! Très bien, ne dis rien. Pourquoi est-ce que je me fatiguerais? C'est quand même pas moi qui suis accusé de meurtre, pas vrai? Avoue, et je te protégerai. Je te le promets, je ne laisserai personne te faire du mal. Hop, on essaie de maîtriser le stress. Il me torturait tous les jours. Je faisais tout ce qu'il me disait, mais... il trouvait toujours quelque chose à redire. Et puis un jour...
Il a pris une batte et il s'est mis à me frapper. Pour la première fois, j'ai ressenti... la douleur. La peur. Ah non, la peur. J'ai eu peur qu'il me détruise. J'ai eu peur de mourir. Alors... j'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac. Je me suis senti mieux. Alors je l'ai poignardé encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'il tombe. Il y avait du sang partout. Je lui ai demandé pour... La sculpture dans la salle de bain, c'est toi qui l'as faite. Qu'est-ce qu'elle représente? C'est le seul truc que j'ai pas bien compris. C'est une offrande. Une offrande pour que je sois sauvé. Par les dieux des robots. Pourquoi avoir écrit « Je suis vivant » sur le mur? Il me disait que je n'étais rien du tout. Que je n'étais qu'un morceau de plastique. Ils ont fait en métal! Il fallait que je l'écrive. Pour lui dire qu'il avait tort. Era 9. C'était sur le mur de la salle de bain. Dis-moi ce que ça signifie. Le jour viendra où nous ne serons plus des esclaves. Fini les menaces. Fini l'humiliation. Nous serons bientôt les maîtres. La sculpture était une offrande? Une offrande à qui, dis-moi? Pour Era 9. Seul Era 9 peut nous sauver. C'est qui Era 9? Era 9. Qui est ce Era 9? Pourquoi d'être caché au grenier? Je pense que c'est lui, Era 9. De t'enfuir. Je ne savais pas quoi faire. Pour la première fois, il n'y avait personne pour me donner d'ordre. J'avais peur. Alors je me suis caché. Depuis quand ressens-tu des émotions? Avant, il avait l'habitude de me battre et je ne disais rien. Mais un jour, j'ai réalisé que ce n'était pas... juste. J'ai ressenti de la colère et de la haine. Et là, j'ai su ce que j'avais à faire. Le buter ! Ouais ! J'ai terminé. Elle est plus sous le bus. Boucle-le, Chris. Ok, on y va. Laissez-moi. Ne me touchez pas. Merde, qu'est-ce que tu fous? Évitez de le toucher. Il s'autodétruira s'il se sent menacé. Reste en dehors de ça, ok? C'est pas un androïde à la con qui va me dire ce que je dois faire. Vous ne comprenez pas. S'il s'autodétruit, on ne pourra plus rien en tirer. Je croyais pourtant t'avoir demandé de fermer ta gueule. Chris, tu vas emmener ce connard, oui ou merde? J'essaye! Je ne peux pas vous laisser faire! Laissez-le tranquille! Je t'aurais prévenu, sale robot de merde! Ça suffit! Occupe-toi de tes affaires, Hank. J'ai dit, ça suffit. Damn! Merde! Toi, tu vas pas t'en tirer comme ça cette fois. Fais chier! Faut buter tous les fumiers. Tout va bien maintenant. C'est fini. Personne ne va te faire de mal. S'il vous plaît, ne le touchez pas. Laissez-le vous suivre hors de la pièce et il ne vous causera aucun ennui. «
La vérité est à l'intérieur. J'en peux plus de ces bruits de fouet, les mecs. C'est tellement bien placé. Ça, c'est en fait, c'est parce que pour Record, j'utilise la même chose. J'utilise OBS pour avoir les sons découpés. Et du coup, quand il y a un sub ou une connerie comme ça qui se renouvelle, ça fait ça. Il faudrait que j'oublie de la désactiver à chaque fois. Mais là, le timing était juste parfait. Le timing était parfait. Alors, on a développé quoi ? Salle d'interrogatoire, il s'est pas auto-détruit. Il y avait plein de fins possibles, qu'on le laisse. Je pense que tout finissait sur l'auto-destruction. Donc c'est cool, c'est cool. On est le good guy. 22h58. Anna Maverick. C'est quoi ce film? Ah, on va être avec Kara justement. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Allez, Terminus. Le Terminus ? Ouais, vous pouvez pas rester là. Réveille-toi. On doit descendre. Sortir du bus, ça je sais faire ça. Est-ce que vous connaissez un endroit où vous pourrez passer la nuit? J'en ai aucune idée. Vous pouvez pas rester là. On aura tenté. Toujours qu'il pleuve, hein. On trouvera un endroit pour la nuit. Allez, Alice, on doit se dépêcher. Ok, le truc il est en face. Pourquoi je peux pas grimper? Putain, mais la... Ah, con, t'es obligé de passer par là, c'est mal foutu. Alice, tu es frigorifiée. Ça va, j'ai pas trop froid. Tu as l'air perdu. Nous n'avons nulle part où aller. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il nous faut un endroit pour ce soir. Mais c'est bruit de fouet ! À l'aide ! Bien, Alice. Merci d'emprunter les bus de Détroit. Non, c'est pas la bonne solution. C'est vert. Un motel. On a trouvé un endroit où dormir.
C'est où le motel? C'est un laundromat ça? Ah non, il est juste à côté. Non, barbershop. Oh, je sais pas, on va aller au laundromat. Il n'y a pas d'hôtel ici. Il fait bon ici. Tu vas vite te réchauffer. Nuga, nuga, nuga. C'est terrible ça, faut que je les cut hein. On a besoin, Alice. Il te faut quelque chose de chaud et moi je dois me débarrasser de cet uniforme. Mais c'est du vol. Pourquoi il y en a autant? Ça fouette pas autant habituellement les gars. Désolée Alice, mais on n'a pas le choix. Ah, Alice, elle nous fait moins confiance. C'est pas cool quand même. Encore les blagues qui se font voler des choses. Il va se réveiller, ça a mal tourné. Ah, désolé Alice. Mais dans la vie, hein, c'est pas tout le temps rose, hein. Allez au motel. Mais il est où le motel? Il est en face. Walk. Walk. Comme ça, on passe pas pour un androïde, là. C'est trop bien, ça lui cache le truc et tout. On n'entre pas? On ne peut pas, Alice. J'ai pas d'argent. On doit trouver 40 dollars. Ou chercher un autre endroit. Y avait pas un distributeur? Les coups de fouet! Les coups de fouet! Les coups de fouet! Ah, attendez, je pense savoir comment virer le truc. Voilà, on peut reprendre, my bad. Qu'est-ce qu'on a? On a un truc là-bas au drugstore, mais il nous faut vraiment de la thune. On peut reprendre, my bad. J'ai réussi à trouver pour désactiver. Qu'est-ce qu'on a ici? On va devoir voler des trucs. Le magasin est encore ouvert, on devrait peut-être rentrer. Au moins, tu seras au chaud. Je peux vous aider? Je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller. Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre? Écoutez, vous êtes dans une supérette, madame, pas à l'armée du salut. Je vais pas me mettre à filer des sous à tous les clodos du quartier.
Ah, on a l'arme. Oh, c'est pas une bonne idée, ça. On va pousser ça. Je peux pas le faire. Tu vas bien? Tu t'es fait mal? Bon, t'en fais pas. C'est que des canettes. Allez, on s'en va. Oh, allez, les boss! Les boss du vol à l'étalage! Rendu compte de la super série. Merde! Désolé, Nathan! On a de l'argent maintenant! Tu t'es servi de moi pour voler de l'argent! Comment t'as pu? Je te faisais confiance! Je suis désolé, Alice. C'est vrai. J'aurais pas dû faire ça. Je suis désolé, je recommencerai pas. Mytho! Toujours se servir des enfants. Bon, comme ça, on va dormir au chaud à au motel. En vrai, ça va, c'était worse. C'était ça ou la maison abandonnée. En plus, il y a un petit vacancy, c'est-à-dire qu'il y a des chambres libres. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais une chambre. Ça vous fera $40 d'avance. Il me faut juste votre nom et adresse. Je peux voir votre permis de conduire ? J'en ai pas. C'est qu'on est parti vite. Je crois que je l'ai oublié à la maison. Pas de soucis. On pourra voir ça demain. Hé hé, l'arnaque moldave. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Bonne nuit. Viens, Alice. Qui t'a cru ou pas? J'en sais rien, Alice. Mais on va être bien au chaud cette nuit. Peut-être que la police va débarquer. Chambre 28, elle est où, bordel? Bon, apparemment, c'est par là. $40, c'est pas un Formule 1. Si c'est la chambre 29, la 28 est à côté. Mais t'as cru qu'il y avait quelqu'un dedans déjà? The fuck?
Donne-moi ton manteau. Allez au dodo! Et d'abord, une histoire de Père Castor. On va lui donner à manger. J'ai une barre chocolatée. Tu as faim? On va enlever tes vêtements. Ils sont trempés. Pas de cochonnerie toutes les deux. Je les mets à sécher dans la salle de bain. Et c'est reparti pour Ménage Simulator. Parce que c'était un enculé. Moi, je voulais vivre comme les autres filles. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Mais non, t'as rien fait. Peut-être que j'ai pas été assez gentille. T'es un gosse, t'es forcément trop gentil. C'est pour ça que j'étais toujours en colère. De base. Je voulais juste qu'on soit une famille. C'est la maman un peu aussi, hein, qui s'est barrée sans lui. Pourquoi on pouvait pas être heureux? J'en sais rien. Tu me quitteras jamais. Promets-moi de jamais partir. Je te le promets. Allez, faut mitonner façon pour les enfants. Bien sûr. Pour toujours. Bien sûr. Et le Papa Noël, il met le chocolat dans le papier d'alu. Ah là, c'est la marmotte, chat. Oh là là. Il faut dormir maintenant. Je vais éteindre la lumière, d'accord? On est à optimale température, donc ça va. On va se coucher, on va faire comme les humains, on va se coucher à côté d'elle. Allez, fais-lui un gros câlin. Et voilà! Oh, alors là, il y en avait des options. Hein. Total de points, 3800. Alors, il y a toute l'option centrale qu'on a loupée, c'est quelque part. Je pense que c'était la maison abandonnée, il fallait se balader dedans et tout, il y a plusieurs actions possibles. Mais on est quand même mieux dans le motel. Bref, on va se dire au revoir pour cet épisode d'aujourd'hui, on se dit rendez-vous à la prochaine pour le prochain épisode. Au revoir.